Eh bien, salut tout le monde, c'est Necro, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien. Donc oui, petit nouveau studio, etc. Nouvelle un petit peu environnement, ça fait vraiment plaisir. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Moi, je te laisse avec le générique. À tout de suite. Bon, on se retrouve pour la vidéo les gars, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment obtenir une tenue assez spéciale, unique au DLC de Rogue Wars, donc voilà. Donc c'est très simple et rough, alors déjà pour commencer il faudra terminer toutes les missions, etc, débloquer le nouveau business de Rogue Wars, donc en gros voilà, donc bref, quand vous avez débloqué tout ça, il faudra appeler du coup et demander du travail à Drax, donc c'est très important les roughs, parce que justement il va vous donner du coup des missions aléatoires, et justement dans ces missions aléatoires, il y a une mission en particulier qu'il faudra se faire passer pour un fameux, un petit facteur en fait. Donc en gros c'est détruisez l'opération rivale, donc travail à distance ça s'appelle. Donc voilà, donc faudra rejoindre du coup le dépôt de GoPostal. Donc je vous ai mis ça en accéléré rapide, donc comme ça ça va plus vite. Donc voilà, vous allez vous rejoindre, enfin aller rejoindre au niveau de l'endroit qu'il faudra faire. Faudra terminer la mission en question, et en fait à un moment donné en fait vous serez déguisé en postier. Donc en gros enfin c'est plutôt pas mal, c'est une tenue qu'on ne peut pas acheter dans le magasin de vêtements. Et déjà en plus de ça, donc de 1 et de 2 on ne peut pas aussi en gros la débloquer ou autre, c'est une tenue assez rare et en fait qui n'est pas disponible à la base dans GTA, donc c'est unique au DLC hein. Franchement elle n'existait pas avant, donc en gros voilà, quand vous arrivez au niveau du truc de postier, vous butez tout le monde, vous prenez le camion et vous barrez, vous finissez la mission en question. Donc voilà, donc en fait en moment du coup quand vous êtes dans le camion, ça va vous transformer en postier, et justement là en fait du coup quand vous avez terminé la mission, vous avez toujours la fameuse tenue du postier en fait. Donc ce qu'on va faire les refs, c'est qu'en fait on va aller la sauvegarder tout simplement dans un magasin de vêtements. Donc voilà, franchement c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'en fait elle est assez chiante à obtenir cette mission là parce qu'elle est assez aléatoire, on l'a très très peu, et justement en fait bah, à cause des missions, il y a 10 missions différentes, il y a plusieurs scénarios, etc, et franchement c'est un pourcentage minime de choper la mission en question, mais ça fait toujours plaisir de se faire passer pour un petit postier dans GTA Online. Donc voilà, c'est un petit peu une tenue unique, assez rare, et franchement qu'il n'y en a pas beaucoup de personnes qui le savent, donc n'hésitez pas à récupérer cette fameuse tenue de postier donc sur GTA Online. Donc vous rentrez tout simplement dans le petit magasin de vêtements, vous faites flèche de droite et vous faites le petit carré, enregistrer la tenue, et du coup vous avez la petite tenue de postier, donc qui ressemble à comme moi sur la vidéo, donc franchement rien de compliqué. Donc voilà, elle est plutôt cool, en plus vous avez la casquette, les stickers, les chaussures, vous avez le pantalon, vous avez tout, donc c'est plutôt bueno. Donc n'hésitez pas à le faire les refs, franchement. Donc voilà, ceux qui n'ont pas compris quelque chose, envoyez-moi un message directement sur dans les commentaires les gars, je vous répondrai, aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc en tout cas ça, cela est fait les refs, on a débloqué la petite tenue GoPostal, vous l'avez enregistrée dans vos tenues, elle est pas disponible dans les magasins, donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé les gars, n'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, ça fait plaisir les gars. Bon bref, moi je vous laisse là-dessus, c'était Necro, ciao tout le monde, puis à la prochaine.